Bonjour les amis, c'est samedi matin. Il fait pas encore très grand soleil, mais je pense que ça va venir. Alors comment vous êtes réveillés ce matin? Avec un grand sourire, en vous disant « chouette, j'ai toute la journée pour moi, je bosse pas, je vais m'occuper de mes enfants, je vais aller les balader dans la forêt, je vais aller faire du shopping, je vais préparer un super truc pour mon mari que j'adore. » Ou alors vous vous êtes dit « bon... ouais, bon, c'est samedi, plein de ménage, les courses, et ma belle-mère, voilà. » Ou alors vous n'êtes rien dit, parce que finalement, c'est une journée, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, on verra bien. Et donc, moi, je me suis dit que quand même, toutes les journées, ça devait être une fête. Tous les matins, ça devait être une fête. J'ai cherché, et vous entendez sans arrêt parler de méditation, lâcher prise, pleine conscience. Et donc, j'ai cherché à expérimenter ce genre de méthode, et finalement, ça marche bien quand même. Je vais dans un centre bouddhiste à Lille qui est très chouette. Je ne suis pas devenue bouddhiste, mais vraiment, ils m'ont appris beaucoup de choses. Je vous les présenterai. Et donc, j'ai appris un petit peu au fur et à mesure la méditation. Ça ne marche pas tous les jours. Et je me suis dit, je vais me faire aider quand même parce que je ne suis pas encore au point. Et j'ai découvert, en cherchant sur Internet, j'ai découvert plein de sites. Et il y a un site qui s'appelle Les 7 Méditations. C'est un site québécois qui s'appelle Les 7 Méditations pour une vie zen. Et il y en a 7. Ça va de 5 à 20 minutes. Et je mets ça le matin. Et c'est extraordinaire, je respire, je suis calme, j'arrive au travail, je suis hyper détendue. J'ai qu'une envie, c'est de rigoler. Donc essayez, donc peut-être celle-là ne vous conviendra pas, mais essayez la petite méditation du matin. Elle va vous faire beaucoup, beaucoup.